أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, nous sommes avec deux frères, mashallah, Allahumma barak, Ahmed et Mohamed Naïm, qui nous viennent du Tchad et qui sont arrivés récemment aux Émirats. Alhamdulillah, je parle en français parce que les deux comprennent le français. Apparemment, la langue du Tchad. Assalamu alaikum, les frères. Assalamu alaikum, salam wa rahmatullah. Kif halukum bi khair? Alhamdulillah. Mashallah. Kif l'oral français? Bon, la langue française, oui. J'ai appris ça à l'école. À l'école, d'accord. À l'école. D'accord. À l'école primaire, secondaire, non. Jusqu'à arriver à l'université. Ah, d'accord. J'ai ma licence en géographie. Ah, géographie, d'accord. Française. Géographie française, ouais. Géographie française. Ouais. Et j'ai pu quand même enseigner, ouais. Enseigner au Tchad, ouais. pendant 3 ans. Donc au lycée complexe scolaire de Dignon. D'accord. Et dans la capitale, c'est la capitale oui, du Tchad, c'est quoi? Oui, dans la capitale. Voilà, dans la capitale du Tchad, N'Djamena. Ah, mashallah. N'Djamena. Donc tu étais professeur dans un lycée, un collège ou en primaire? Bon, non, au lycée. Au lycée aussi, au lycée, ah, mashallah. Allah Mabarak. J'ai enseigné la géographie au lycée. D'accord, donc toi, la langue française, c'est pas la langue officielle du Tchad, non. C'est juste que toi, tu t'es intéressé à la langue française, t'as fait tes études en langue française, ou bien c'est vraiment une langue au Tchad? Non, la langue française est une langue officielle. Au Tchad, subhanallah. C'est une langue officielle au Tchad, et la langue arabe est une deuxième. Deuxième langue officielle. Deuxième langue officielle. Subhanallah, donc vous avez l'arabe et le français. Nous avons l'arabe, nous avons le français et l'arabe. Et l'arabe, d'accord, subhanallah. Nous avons le français et l'arabe. Non, mashallah. Même j'ai quand même étudié la langue arabe. La langue arabe aussi, tu l'as étudié dans les mêmes études, quoi. Oui, dans les mêmes études. Allah mabarak, mashallah. Donc, j'ai ressorti avec un bac bilingue. Bilingue, donc arabe et français. Et plus tu parles les langues, c'est quoi la langue natale, ta langue natale au Tchad? Est-ce qu'il y a une langue autre que... Oui, il y a une autre langue. C'est quoi? Il y a une autre langue, comme telle que la langue natale, donc c'est l'arabe et le kanembu. Ah, donc l'arabe, c'est vraiment la langue officielle du Tchad. Et le kanembu, c'est aussi une langue, c'est un dialecte. Enfin, c'est une langue locale. Locale, d'accord. Il y a combien de langues locales là-bas? Bon, il y a plusieurs langues, hein. Il y en a plusieurs, hein. Mashallah. Mashallah. Ahmed, toi aussi, tu parles français un peu? Oui, je suis aussi un bilinguiste. Bilingue, mashallah. Bilingue, je parle français, arabe et un peu de l'anglais aussi. L'anglais aussi? Oui. Avant tout, je dis bonjour à tout le monde. Ouais. Ceux qui nous suivent, je dis à tous, je vous remercie d'avoir nous interrogé. Ouais, mashallah. Questionnement. Barakallahu fik. Le nom c'est Ahmed Mohamed Adam. Ahmed. Tu t'appelles Ahmed? Ahmed Mohamed Adam. Mohamed Adam, mashallah. Je viens du Tchad à l'Imarat. Et actuellement, je suis à l'Imarat. Nam. Raison pour laquelle, d'une autre façon, j'ai été ici à l'Imarat pour chercher du travail. Du travail. Donc, t'es arrivé, tous les deux, vous êtes arrivés aux Émirats pour le travail. Pour le travail. Ça veut dire que vous étiez au Tchad et tout, vous avez entendu parler de Dubaï. C'était quoi l'image que vous avez de Dubaï là-bas? C'est des gens qui vous ont dit, il faut venir ici, il y a du travail et tout ça, c'est... Non, nous voyons Dubaï souvent aux télévisions. À la télé, à d'accord. La télé, donc nous voyons Dubaï à la télévision. Ouais. Et donc, c'est un pays qui est très fantastique. Et donc, tous les deux, vous êtes bilingues, Ahmed oui, également. Parfaitement, depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Toi, tu as appris le français à l'école aussi? J'ai appris le français à l'école, depuis mon enfance. Ouais. J'ai étudié en français. Ouais. Et finalement, j'ai étudié aussi en arabe aussi. Et tu as étudié en arabe aussi, d'accord. Voilà. Ok. Et finalement, j'ai obtenu le diplôme
en arabe. Diplôme en langue arabe. Français. D'accord. Diplôme en arabe comme en français. Et j'ai intervenu aussi au lycée comme au primaire. En tant que professeur? En tant que professeur. D'arabe. Au lycée, oui, en arabe. Oh, mashallah, en arabe. C'est à l'école primaire. D'accord. Et en français, c'est le collège. Le collège, d'accord. Voilà. Donc toi aussi, tu es professeur finalement et tu as fait des études. Voilà. Subhanallah, mashallah. Donc tous les deux professeurs. Donc, Mohamed Naïm qui est professeur de géographie. Yeah. Actuellement, tu ne travailles pas dans ton secteur parce que là, tu travailles dans la restauration, c'est ça? Oui, c'est ça. Subhanallah. Donc tu n'as pas encore trouvé de travail dans ton domaine? Vraiment, je n'ai pas trouvé. En plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont profs de géographie. C'est un point important de connaître le monde, les cartes et tout. C'est passionnant. Ça veut dire que actuellement, est-ce que tu as entrepris des démarches pour trouver du travail dans ce domaine, dans la géographie, professeur de géo? Oui, effectivement. J'ai trouvé là, je suis capable d'enseigner. Ouais, je suis prêt à enseigner. Enseigner, ouais. Mais tu n'as pas encore trouvé dans ce domaine. Je n'ai pas encore trouvé donc, mon domaine pour enseigner. D'accord, donc qu'est-ce qui vous a fait travailler dans la restauration? Est-ce que c'est parce que pour vous c'est un job ou c'est parce que c'était le plus facile à trouver ou vous êtes du domaine? Non, ce n'est pas du domaine, mais la vie qui nous a obligés, ouais. Puisque nous sommes ici niveau dans ces vies. Oui. Raison pour laquelle c'est juste pour gagner des petits pains, c'est les mêmes. D'accord, en fait c'est financier, ouais. C'est financier. C'est un job, quoi, ouais. C'est un job. D'accord. Si on a trouvé les miens. Quelque chose qui correspond, par exemple, ce serait quoi ton rêve à toi comme travail? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail? Voilà, comme travail, je m'espère pour être un grand administrateur. Administrateur. Charles. En plus, tu as la langue, tu as l'arabe, tu as le français. Est-ce que Charles. L'anglais, comment vous êtes en anglais? En anglais, je me débrouille un peu. Un peu dans le parler, hein. Et toi? L'anglais, je ne débrouille pas. Donc, je ne sais pas l'anglais. Ouais, Inch'Allah, bon, en tout cas. Je connais l'arabe et la langue française. Française, Mashallah. Ouais. Eh bien, le thème de cette vidéo, justement, c'est autour de la langue arabe. Et en fait, moi, quand j'étais en France et que j'imaginais les Émirats, je me suis... Bon, on sait que c'est un pays arabe et tout ça. Et donc, je m'imaginais les gens beaucoup plus connectés avec la langue arabe. Et quand je suis arrivé ici, j'ai constaté en fait que les gens parlaient beaucoup l'anglais. Subhanallah. Et même quand je parle à des Arabes, que je leur parle en arabe, ils me répondent en anglais. Est-ce que ça vous arrive, ça? Oui, ça, parfaitement, ça m'arrive pas. Ça m'arrive. Ça t'arrive. Comme ça, oui. Ouais, c'est-à-dire que les gens, je sens qu'il y a un délaissement de la langue arabe, déjà, littéraire, à la base. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comment dans votre pays par rapport à la langue arabe? Est-ce que les gens, ils donnent cette importance à la langue arabe? Effectivement, donnent l'importance. À la langue arabe? Oui, donnent l'importance à la langue arabe. Pourquoi? Ouais. Dans notre pays, là-bas, la première langue le plus parlée, donc, c'est le français. Ouais. Et la deuxième langue, c'est l'arabe. C'est l'arabe, d'accord. Comme nous sommes venus ici à Dubaï, donc nous avons constaté que les gens parlent beaucoup l'anglais. Oui, c'est ça qui est très bien. Les gens parlent beaucoup l'anglais et je me suis vraiment surpris. Ouais. Donc, pareil, c'est pareil pour moi. C'est très pareil. Ouais. Donc même les clients viennent, quand tu parles l'arabe à eux, ils t'expriment en anglais. Oui, c'est ça. Ils connaissent l'arabe, mais ils s'expriment en anglais. En anglais. Donc je ne sais pas. Peut-être la langue anglaise, c'est la première langue la plus parlée à Dubaï, je ne sais pas. Ouais. Mais moi j'ai un peu étudié ce cas-là, ce sujet. En fait, ils disent que dans les langues, il y a un phénomène qu'on appelle la glottophagie. C'est glottophagie ou il y a un mot en fait qui signifie une langue qui mange les autres langues. Oui. Et en fait, je pense que l'anglais mange les autres langues. Oui. Et en fait, il y a plusieurs raisons de ça. C'est que les gens, en fait, ils se disent l'anglais c'est la langue du travail, c'est la langue d'internet aussi parce que l'ordinateur quand ils ont inventé l'ordinateur c'était en anglais. Okay. Donc c'est la langue de l'internet, c'est la langue du travail, c'est la langue du métier. Et en fait finalement les gens ils délaissent leur langue parce qu'ils n'ont pas d'opportunité autour de ça. Mais la langue l'arabe littéraire لغة العربية هذا لغة القرآن كيف الناس يعني يتركون هذه اللغة الجميلة لي للإنجليزية هذا أستعجب من هذا كذلك والله هذه صعب جدا اللغة العربية هي أفضل لغة صحيح نعم في العالم أفضل لغة أفضل في لغة. العالم في العالم نعم سبحان الله أنا أريد
حاليا في دبي نعم الناس يتكلمون اللغة العربية العربية اللغة العربية اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم نعم ثم ثانيا الله سبحانه وتعالى نزل خمس نبوة نعم سبحان الله في وش الأرض نعم يتكلمون العرب العربية نعم سبحان الله يتكلمون العربية نعم سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم لغة العربية لغة العربية عربي نعم نبي الله صالح عربي صالح سبحان نبي الله إسماعيل إسماعيل عربي عربي سبحان الله صحيح القرآن نزل باللغة العربية باللغة العربية نعم المفروض اللغة العربية الناس لا يتركوها نعم هي أفضل لغة في وش العالم نعم ومهمة جدا ومهمة جدا نعم. أن نتعلم نعم نعم مهمة جدا أن سكان يتعلمون اللغة العربية نعم سبحان الله بالمناسبة بالنسبة لي أنا اللغة العربية نعم إتراك اللغة العربية يعني بأثر في المجتمع نعم حتى في الثقافة يعني اللغة العربية لديها ثقافة ثقافة نعم سبحان ثقافة الله ثقافة يعني ثقافة مثالية نعم وليس من ليس لبعض اللغات نعم يعني أنا اللغة العربية أجد اللغة العربية الواحد لما بيتكلم اللغة العربية نعم وعنده ثقافة وعنده احترام وأدب سبحان الله صحيح عفوا يديك لا لونغ عرب c'est une langue mais elle a aussi une culture derrière et que cette culture les gens qui parlent cette langue en fait ils sont nourris de cette culture et de son adab du comportement qui est en fait imprégné de cette langue arabe ما شاء الله هذا مهم جدا ونحن انا كمهاجر لان انا كنت اسكن في فرنسا وهجرت الى الامارات وسبحان الله وجدت فرصة أن يعني أتكلم مع بعض الناس لأن في بعض الناس ما شاء الله إذا تختلط معهم يعني تستفيد في اللغة مثلا أعرف شخص هو من 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 العراق من المواطنين أو من المواطنين أو من من في البلدان العربية العربية نعم وتستفيد منهم أكيد. فأنا أرى إذا أحد يريد يعني يتكلم اللغة العربية يختلط بالعرب في البلد والذين يحبون اللغة لأن في الناس يحبون اللغة العربية لكن في الشارع يعني الناس يتحدثون باللغة الإنجليزية يتحدثون باللغة الإنجليزية نعم نعم والأطفال بالنسبة للأطفال أنا عندي ثلاثة أطفال الحمد لله والآن بدأوا أن يعني يتكلمون بالعربية وهذا يجعلني يعني سبحان الله فرحا جدا أكيد. نعم أكيد و و و وكذلك كما قلت لغة القرآن لغة القرآن مثلا في تشاد في التشاد الناس يفهمون القرآن وكلام الله يفهمون ما بفهم كيف تقول لا يفهمه القرآن إلا من درس لغة العربية صح لا يمكن صحيح لا يفهمه القرآن إلا من درس اللغة العربية نعم صحيح لغة القرآن هي اللغة العربية صحيح نعم اللغة العربية هي لغة مسلمة نعم صحيح هي لغة نعم. مسلمة لغة المسلمين لغة المسلمين نعم نعم سبحان الله نتمنى من المواطنين ومن العرب وغير العرب الذين نعم ان يهمون جدا نعم. ان يتعلمون اللغة هذه اللغة نعم اللغة العربية صحيح فأنا رسالتي أرسلها للإخوة والأخوات نعم بالمناسبة للغة العربية التجاهل للغة العربية يعني بأثر في المجتمع ولازم يعني كل شخص سواء مسلم سواء ما مسلم ما مسلم نعم هي دي عبارة كلغة بس نعم صح يعني صح. ما تشمل شنو الأديان نعم صحيح بالمناسبة اللغة سيفيلا مرتبطة بالدين صحيح لكن شنو مفتوحة لكل كل العالم كل مجال وكل العالم نعم صحيح أنا مسيحي سواء مسلم سواء اليوم الأديان الثانية صح فدي لغة لازم نعلمها نعم ونهتفس على ونجد ثقافتها نعم فإن شاء الله نجد الثواب عندها نعم نعم donc en fait ce qui dit le frère mashallah c'est que la langue arabe c'est vrai qu'elle est connectée à l'islam, au dîn, mais c'est une langue aussi qui est ouverte, c'est une langue ouverte, et donc que vous soyez musulman ou non ou chrétien,
apprenez cette langue, elle vous sera profitable en tant que langue et ça c'est très important. Mashallah, c'est ça le message que tu veux passer, mashallah. Voilà. Allahumma barik, mashallah. Jazakumullah khairan les ikhwa Ahmed. Inch'Allah. Et on demande à Allah qu'il vous facilite dans votre recherche d'emploi. Inch'Allah. Donc toi tu voudrais devenir administrateur, Inch'Allah. Le fait d'avoir l'arabe et en réalité le français. En fait, je pense qu'il faudrait travailler l'anglais. Malgré que c'est vrai que l'anglais c'est la langue d'ici, les gens la parlent dans la rue et aussi elle est demandée au travail. Donc je pense que ça va être un plus d'apprendre l'anglais par rapport au travail. Mais le fait d'avoir la langue arabe, vous avez quelque chose dans ce pays qui peut vous ouvrir des portes dans différents métiers. Vous pouvez travailler pour le Hukuma. Parce que je pense que pour travailler dans le Hukuma, les pays comme le Tchad, le Soudan, ils sont acceptés dans différents postes de l'État. Mais il faut juste faire un CV et tout ça, Nam. Voilà. Effectivement, pour avoir un poste où vous travaillez à l'État comme au Tchad, absolument, il faut avoir les deux langues. Il faut avoir les deux langues, voilà. Deux langues. La langue française et la langue arabe. Ah, au Tchad aussi, c'est pareil. Au Tchad même aussi, c'est pareil. Ah, d'accord. Mais la troisième langue au Tchad, c'est l'anglais. D'accord, ouais. D'accord. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent anglais là-bas quand même au Tchad, alors machallah. C'est la troisième langue officielle. C'est la troisième langue officielle. Ah d'accord. Après l'arabe. Après l'arabe, machallah. Machallah. Jazakumullah khairan. Et Mohamed Naïm, on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il te facilite aussi dans tes recherches d'emploi par rapport à ton poste de prof de géographie. Voilà, s'il y a des écoles ou des instituts privés, si vous voulez, vous cherchez quelqu'un, un prof de géographie qui parle l'arabe, donc il est capable d'enseigner cette matière à des arabophones et qui parle français, eh bien notre cher frère Mohamed Naïm est là. Et si vous cherchez un illustrateur qui parle super bien l'arabe et qui l'écrit, eh bien, il y a notre frère Ahmed Mohamed Adam, mashallah. Moi-même, effectivement, si j'ai trouvé un poste administrateur, bien sûr. Je suis capable de faire aussi, bien sûr. Parce qu'en fait, le fait d'avoir la langue, d'avoir étudié, vous connaissez l'informatique et tout ça, donc vous pouvez occuper plus d'un poste, binila, inshallah, dans ce pays. Et au niveau de votre travail, au niveau dans la restauration, parce que moi j'ai entendu que c'était assez difficile, c'est beaucoup d'heures de travail. Combien d'heures vous travaillez par jour à peu près? Nous travaillons pendant 14 heures du temps. 14 heures. 14 heures du temps. Combien de jours par semaine? Donc nous travaillons. Bon, non. Chaque jour. Chaque jour. Tous les jours. Tous les jours. Ah, tous les jours. Il n'y a pas un jour de repos. Il n'y a pas un jour de repos. Ouais, c'est beaucoup ça. C'est un travail, c'est pour cela. C'est difficile, ouais. C'est un travail pénible. Ouais, c'est pénible. Donc, ça, c'est pénible. Nous sommes vraiment forcés à travailler. Ouais. 14 heures tous les jours. 100 jours de repos, ça fait beaucoup quand même. C'est pour ça, alhamdoulilah, faites vraiment les démarches, faites vos CV. C'est vrai que ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour ensuite à démarcher au niveau des emplois. Parce que si tu travailles, vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Nous travaillons de 8h jusqu'à 15h. Après, on va prendre pause de 4h du temps. Après avoir pris les pauses de 4h du temps, on va revenir encore jusqu'à 1h du matin. 1h du matin, d'accord, ouais, bah ça laisse pas beaucoup arriver de temps. Arriver à la maison, là, c'est 1h du matin. Ça y est, khlas, subhanallah. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être faire des démarches de recherche sur Internet. Peut-être, je sais pas. Maintenant, il y a beaucoup de postes en fait qui sont pourvus sur Internet. C'est-à-dire que il faut aller sur des sites. Inch'Allah, je vous enverrai des sites et tout ça, des sites Internet. Vous mettez votre candidature, votre CV, et il se peut que, binila, vous avez un appel ou quelqu'un qui vous des entretiens, Inch'Allah. Voilà. Et moi, Inch'Allah, j'en parlerai autour de moi aussi, binila. Inch'Allah. Et sans oublier, on a prochainement, Inch'Allah, jeudi, on a une daoura sur l'importance de la langue arabe. Donc c'est pour ça que cette vidéo, c'est aussi pour introduire cette daoura qui aura lieu jeudi, oui. À 15h45 heure de Dubaï, oui. Et donc c'est une daoura qui va se faire en ligne, oui. Les gens peuvent se connecter de partout dans le monde, oui. Et ils peuvent venir aussi au Merkez qui se trouve juste à côté, oui. Et en fait on va parler de ce sujet. Donc vous avez contribué à la promotion de cette daoura et qu'Allah vous en récompense. Est-ce que vous avez un conseil à donner avant de finir cette interview, quelque chose que vous voulez partager? Donc vraiment, en plus de ça, je vous remercie. La première des choses, je vous remercie, monsieur grand frère Ibrahim. Tu nous as interviewé et je me
suis vraiment très fier de vous rencontrer. C'est tout le plaisir pour moi et le frère Ahmed Mohamed Kadalik. Inch'Allah, Zakmullah Khairan. وأنت أحمد ولا أنا يعني الرسالة اللي أرسلها لإخواني والأخوان المشاهدون نعم فالقاية من من الاجتماع فاجتماعنا بكون شنو بالمناسبة لاهتمام اللغة العربية صح فلكل واحد أو واحدة قال لي شنو نرجو لثقافتنا نعم للثقافة يعني تكسب اللغات كسرت اللغات يعني شيء شنو هي فايدة لل يعني زاد لل نعم للذهن نعم 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 صح إن شاء الله بارك الله فيك دونك أحمد nous invite tous à revenir à la source de notre culture même qui est cette langue arabe qui nous aide à développer notre esprit ما شاء الله وأنا سأشكرك كثير لوجودك الاجتماع للتمانة بارك الله فيك وإن شاء الله سنجتمع يوم ما سنتحاور إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خيرا للإخوة حفظكم الله ونراكم إن شاء الله قريب إن شاء الله جزاكم الله خيرا Inch'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagé, Inch'Allah. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Follow me for Hijra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.